suite de cette lecture du livre du Père Jacques Philippe, appelé à la vie, se mettre à l'écoute de Dieu pour vivre pleinement. Une vérité anthropologique, simple mais fondamentale, est la suivante. L'homme vit des paroles qui l'habitent. Notre mémoire, consciente et inconsciente, est comme un réservoir de paroles lesquelles induisent nos comportements et façonnent notre identité. Nous portons tout un discours intérieur, plus ou moins conscient, qui a un rôle déterminant dans nos relations avec le monde, avec nos proches, avec nous-mêmes. Ces paroles et discours se sont incrustés en nous par des voies bien diverses. Ce sont des mots qui nous ont été dits alors que nous étions petits enfants et qui se sont imprimés en nous. Ce sont des sortes de croyances ou de convictions que nous nous sommes formulées en réaction aux événements qui ont marqué notre histoire personnelle. Ces paroles proviennent de notre éducation, de notre milieu culturel. Ce sont aussi des bribes de ce flot continuel de paroles que véhiculent la vie sociale et les médias qui ont réussi à se nicher dans notre mémoire profonde. Ces paroles peuvent prendre la forme de convictions, d'injonctions, d'interdictions, et la plupart du temps, elles ne nous font pas beaucoup de bien, elles nous enferment et nous paralysent. Par exemple, « je n'y arriverai jamais », « je ne suis qu'un incapable », « la vie est mal fichue », « personne ne me comprend », etc. On pourrait en faire un catalogue sans fin. Elles nous déconnectent de nous-mêmes et du réel, faussent notre relation avec le monde et avec les autres. Donc ce qui est dit, ce que nous venons d'entendre, ça c'est la réalité qui nous habite. Voyez combien nous sommes la proie de la propagande quotidienne. Des publicités, des médias, du milieu dans lequel nous vivons. Et nous voyons bien que nous sommes pleins d'a priori, pleins de... Nous avons des idées sur tout et sur rien. Mais surtout, nous sommes conditionnés et nous ne sommes pas libres. Et nos pensées, finalement, que nous croyons être les nôtres, nous pensons être libres, en fait, nous sommes manipulés à longueur de vie. Et ça commence dès l'enfance. Il nous faut retrouver une vraie liberté intérieure. La fréquentation de l'écriture, c'est-à-dire des paroles que nous avons entendu Jonas ce matin, le livre de Jonas que nous sommes en train de lire. Il y a un certain humour. Jonas, ce prophète qui est appelé par Dieu à venir aller dans cette grande ville de Ninive, ville très importante à l'époque, pour leur demander de se repentir parce que Dieu a décidé de détruire cette ville si les gens ne changeaient pas de vie. Alors, je m'efforce tout de même de préciser que ce n'est pas Dieu qui va décider de châtier, ça c'est une, je dirais, c'est une pédagogie issue de l'Ancien Testament. Mais qui a sa raison d'être? Parce que nous devons comprendre que tout ce qui arrive est la conséquence de ce que nous faisons. Et nous sommes tellement ignorants sur, justement, les vraies causes de tout ce que nous vivons dans notre propre vie, de tout ce qui se passe et qui plonge les nations dans la guerre, dans la maladie, dans toutes sortes de calamités, ont toujours, et dans toutes les traditions, été montrés comme la conséquence de nos fautes. De nos fautes en quoi? Parce qu'il y a des lois naturelles. Ces lois naturelles sont des lois divines. Parce qu'il y a aussi des lois morales qui,
dont on dit aujourd'hui qu'elles ont été inventées par l'homme ou par les religions. Mais on oublie que ces lois sont issues d'expériences intérieures, d'expériences qui ont été montrées, qui ont été décrites et qui ont été promulguées par des gens qui étaient parfaitement libres et qui les ont perçues dans leur cœur, dans un cœur justement qui était débarrassé de tout ce qui habituellement nous conditionne. Voilà le sens même de la vie spirituelle. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion parmi tant d'autres. Et les religions ne sont pas une religion qui s'affirme en face d'autres. À l'origine, elles ont été données pour que l'homme puisse retrouver sa liberté. Alors, évidemment, avec les siècles, ça s'est complexifié. Et des fois, on ne sait plus très bien pourquoi, à quoi servent les religions, tellement il y a de rites, tellement il y a d'écrits qui finalement cachent la simplicité de leur origine. Ce même auteur d'ailleurs a écrit un livre qui s'appelle « La liberté intérieure ». Donc la parole de Jonas, Jonas, lui, il a une sorte de dialogue avec Dieu. Alors évidemment, c'est un peu romancé, mais la façon dont c'est écrit est vraie. Parce que ce Dieu que nous savons être un Dieu d'amour et pas du tout un Dieu qui juge, pas un Dieu qui écrase, pas un Dieu qui punit. Dieu permet ou ne permet pas. Parce qu'il est Dieu, il peut faire en sorte que nous soyons protégés de certaines calamités. Mais lorsque nous sommes arrivés à un tel degré d'errance, malgré les avertissements, eh bien, il se passe ce que nous voyons dans ce monde. Il n'y a pas d'autre solution que de souffrir pour comprendre. Et c'est souvent ce qui se passe dans notre propre vie. Nous commençons à comprendre certaines vérités parce que nous souffrons de certaines situations, ou parce que nous souffrons tellement de toujours faire les mêmes erreurs qu'on finit par comprendre que notre comportement n'est pas bon, et qu'on se fait souffrir et qu'on fait souffrir les autres. Eh bien, pour le monde, c'est exactement la même chose. Et pourtant, à quoi sert donc cette liturgie que nous célébrons ce matin? Les lectures que nous entendons, les témoignages qu'elles nous donnent, et surtout ces promesses d'un Dieu qui est un Dieu d'amour et qui nous promet que si l'on se tourne vers lui, si on apprend à se laisser aimer par lui, on s'affranchira peu à peu de ce conditionnement dans lequel nous sommes et qui nous rend aveugles. Nous aspirons tous à une vraie et profonde liberté. Nous voulons être des hommes libres. Et nous ne pouvons pas l'être vraiment tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut descendre dans son cœur. Dans toutes les traditions et dans toutes les religions, on parle de méditation, on parle de prière. Prier, c'est se tourner vers son cœur, c'est-à-dire là où par cette fenêtre, ce miroir, si l'on peut dire, cette source, on rencontre Dieu. Ou plutôt, Dieu y est déjà présent. La fréquentation de l'Écriture, nous dit le père Jacques Philippe, au contraire, a un effet libérateur et bienfaisant, car peu à peu, c'est la parole de Dieu elle-même qui vient habiter en nous. Vous avez remarqué que les révolutions s'acharnent à détruire un monde ancien, un mode de pensée ancien, une idéologie ancienne pour imposer la leur. On est tous sensibles à l'écologie aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas dans cette écologie une profondeur spirituelle, elle deviendra une idéologie aussi dure, aussi injuste à terme que toutes les idéologies. La liberté, la libération se fait de l'intérieur. Méditer sans cesse, intérioriser dans le cœur, la parole divine désactive ces paroles,
négatives et viennent les remplacer par des paroles de confiance et d'encouragement. Je peux tout en celui qui me rend fort, nous rappelle saint Paul dans l'épître aux Philippiens. Rien n'est impossible à Dieu, nous rappelle l'évangile de Luc. Tu es mon fils bien-aimé, nous dit encore l'Écriture dans Marc. Et ces paroles s'adressent à nous. Et nous le savons pour nous qui prions, pour nous qui méditons, qu'il y a une véritable rencontre intérieure qui se fait. Une rencontre intime où on découvre avec une immense joie, mais en même temps dans une révélation qui dépasse absolument tout, que nous sommes aimés. Et cet amour même se reflète dans les choses qui nous entourent. Nous avons besoin d'être aimés, nous aspirons tous à l'amour, l'amour vrai. Vous voyez, l'amour, quand il est seulement, ce ne sont seulement que des sentiments humains, aussi forts soient-ils, aussi passionnels soient-ils, cet amour ne dure pas s'il n'est pas relié à sa source, qui est Dieu même. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, la religion, comme on dit, c'est pas une option comme l'autoradio dans une voiture. C'est l'essence même de ce qui permet à l'homme de retrouver une vraie liberté et de construire un monde de paix. Parce que nous serons toujours, malheureusement, prisonniers de ce qui nous a été décrit dans cette leçon d'aujourd'hui. Nous sommes façonnés par tout ce qui nous environne, par notre enfance, par notre vie. Et il nous faut non pas se déprogrammer, parce que ça c'est un mot qu'on entend aujourd'hui, mais se laisser transfigurer par une lumière, par une énergie d'amour, par une vie qui est véritablement une vie nouvelle et qui nous transfigure tout simplement. Et qui nous permet de témoigner que ce que les Écritures nous disent, ce que l'Église a enseigné, malgré ses erreurs, malgré les hommes qui l'ont dévoyé, nous pouvons témoigner que ce qui est dit et enseigné est vrai. Et c'est ce dont le monde a besoin.